J'ai traversé au rouge, ça lui a pas plu. Hein. Théma quand même, regarde, c'est bon, je t'emmerde, connard. Oh putain, il a un gun. Oh putain, il a un gun. Oh putain, il a un gun. C'est sa mère? Et au tranquille, frérot, je vais rien lui demander à ta daronne. Mais c'est lui qui cherche la merde, là. Hein. Objectif 5000 pouces bleus et je vous fais la suite en épisode 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. On pense aux pouces bleus, on pense à l'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Ok les gars, du coup, vous avez mis les 5000 pouces bleus. Enfin, en vrai, je sais pas. À l'heure actuelle, je sais pas. Mais j'ai totale confiance en vous. Donc, je tourne déjà l'épisode 2, frérot. Je vais me relooker. Les gars, épisode 2, c'est parti. Directement, on va aller faire la fête, frérot. Ça part. On bombe le torse, les gars. On fait un grand sourire. Et c'est parti. Merci, monsieur. Quoi? Mais c'est toi qui es sérieux, frérot, c'est pas ma faute si j'ai pas la moula, frérot, je viens d'arriver en ville, qu'est-ce qu'il a... Va te faire foutre, enculé. Frérot, il... Toi, what the hell, frérot, comment ça, what the hell? Et il fait trop le nerveux, frère. Mais... Et va te faire foutre. Frérot, tout ça parce que mon jean, c'est pas un Gucci et tout. Boîte de nuit de merde, frérot, elle était pourrie, sa boîte. C'est parfait, frérot, il m'a envoyé dans le coma, comme ça il fait jour. Désolé, madame, pas le temps de niaiser, faut que j'aille me changer. Ah bah la coupe de cheveux, les gars, je la fais pas maintenant. Bah parce que pour le moment, la vidéo elle est pas sortie la première. Eh bah la coupe de cheveux, les gars, pour le moment, je laisse comme ça. Par contre, il faut que je trouve un magasin de vêtements. Normalement, là, il y a un magasin. Si le magasin il est pas ouvert, je vais être obligé de devoir faire des missions. Ça, ça fait chier. Hein. Moi, je veux juste me balader tranquille et faire ma vie, là. Madame. Ouh, les gars, on progresse. Elle est peut-être un petit peu âgée, comme madame. Désolé madame, toujours respecter les plus grands. Ça va la famille? Ah mais c'est ça le magasin? Ah ouais, je peux pas rentrer dedans. Ouais ça va, je déconne les reilles, je déconne, je rigole, c'est bon. Bah rip le relooking hein les gars, on va pas avoir le choix là, va falloir y aller au talent les mecs. Les gars, il faut qu'on y aille au culot. Madame, besoin d'aide pour le téléphone? J'ai l'impression qu'elle galère un peu non? Je peux faire le forceur non plus mais... Ah seul, oh bah alors par contre, là gros elle la mérite. C'est le raciste, connasse va. Frérot, je viens, je lui propose de l'aide. Et lui en plus, il... Et toi, tu me prends en photo, va te faire foutre. Allez, on se casse. Je viens de carotte un giga gamos en plus. Là, c'est free. T'as vu, les meufs, elles commencent déjà à me dire hello, gros. C'est l'effet de la voiture. Les gars, on part à la chasse. Objectif de la soirée, les mecs. Rentrer avec une fille à la maison. Contenu de qualité, les gars, sur cette chaîne YouTube. Deuxième vidéo GTA. Premier date. Troisième vidéo. Je pécho. Frérot, là, je suis en mode repérage. Faut qu'on repère si... Oh. Merde, je lui fais un doigt, quel con. J'ai pas fait exprès. Eh, désolé, maintenant. Non, putain, je voulais la draguer, moi, de base. Merde, j'ai cliqué sur clic droit, frérot, je lui fais un doigt. Ah, bah, zut. Ok, désolé, ma petite dame. Bonne journée, en tout cas. Oh, attendez, je me grattais le nez, mais attends. Oh, frérot, si j'ai une voiture comme ça, obligé... Oh, putain. Ah, à vos souhaits, madame. Les gars, excusez-moi, je rate pas une occasion. Mais, faut... mais frérot, faut qu'il arrête de siffler, il sait pas y faire, mon Gugus. Hey. Ok, je la laisse tranquille, elle, je la laisse tranquille. Eh, ils sont trop bien faits les bots. Eh, dans GTA 6, ça j'espère c'est un truc qu'ils vont beaucoup développer. Genre l'interactivité avec les bots. T'es ma voiture frérot. Là c'est opération quartier de riche frérot. Il faut qu'on arrive à choper une nana qui a de l'oseille frérot. Comme ça après, elle va nous acheter des vêtements. Et ouais les gars, intelligent frérot l'artiste. Ok, je crois que c'est par là le golf hein. Le quartier un petit peu huppé là. C'est ces coins là là. Là haut c'est les villas. Ok, c'est par là. Là, on met le radar actif et on chasse, frérot. Il faut qu'on devienne l'amant d'une femme riche. Tiens, regarde, elle. Ok, parfait. C'est pas moi, hein. Moi, j'ai rien fait, hein. Wesh, il a fait la buter. Oh, le chien, il est pas passé... le chien, il est pas passé loin de la mort. Eh, mais vas-y, lui, il me stresse, là, derrière, là. Attendez, les gars, on fait demi-tour. Ok, les gars, on attaque. On arrive tranquille, pépère. On se gare, pépère, un peu, là, hop. Il faut que je descende, les gars. Je descends tranquille, hop. Et voilà. Et ouais, mais non, c'est mort, les gars. Je suis pas relooké. T'as vu, elle a vu mes habits, elle s'est barrée direct. Frérot, elle court carrément. Elle court. Avec son chien qui. Eh, mais attends, j'avais jamais vu. C'est nouveau ça, les chiens comme ça. Non, je l'avais jamais vu un toutou comme ça. Frérot, je vais lui voler son chien. Je vais lui voler son chien. Attendez, on va voir si le chien retrouve toujours son propriétaire. On va voir s'il a un bon odorat, le chien. Non, tu restes ici. Tu restes ici, le toutou. Oh merde. Non, non, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, les gars. Dites ce que vous voulez, c'est pas moi. Ça va là? Ça va, mon pépère? Vas-y, on va le suivre, on va voir s'il le rejoint. Ce serait beau. Franchement, s'il le rejoint, ce serait magnifique. Ce serait une belle histoire.
Faut qu'il fasse gaffe quand même, hein. Faut qu'il fasse gaffe. On va l'escorter. On va escorter le toutou, les gars. Faut qu'il fasse gaffe. Allez, rentre à la maison, grand. Comme ça, je vais savoir où c'est qu'elle habite, ta maîtresse. Chien contre chat. Il va y avoir une baston, non? Même pas. C'est beau le respect. C'est beau. Frérot, attends, il va nous montrer où c'est qu'elle habite, là. Hein. Eh frérot, je passe pour un gros malade. Je suis en train de suivre un chien pour savoir où c'est que Bernadette habite. Le détraqué. Ça se trouve, je vais suivre le chien pendant une heure. Frérot, il va me ramener dans un guet-apens. Attends, il va aller où? Mais du coup, ça m'intrigue, hein. Je vais attendre. Les gars, au montage, on va couper, hein. Oh, elle est là-bas, elle est là-bas. Eh mec, il la suit, hein. Elle est toujours là-bas, hein. Regarde, elle est là, elle court. Madame, vous avez oublié votre chien? Tu sais, je suis quand même sympa, hein. Je lui dis qu'elle a oublié son toutou. Eh, si j'arrive et qu'il est écrasé, mort sur. Ok, c'est bon, il est là. Ok, elle est le coup. Elle est là. T'as vu comment les humains. T'as vu, frérot. Même si c'est qu'un jeu vidéo, ça me dégoûte. Frérot, elle en a rien à foutre de son toutou. Et lui. Frérot, je suis désolé, mais elle la mérite, la tatane, les gars. Elle. Frérot, elle va se la bouffer. Tu vas t'arrêter là, ma grande. Je vais t'apprendre le respect. Connasse. Ah bah, du coup, le chien, il s'en va? Les gars, je suis pris au piège. Merde, il y a des flics devant et derrière. Faut que j'abandonne la voiture. Merde! Vite! Oh, je suis mort. Oh, bah là, je finis au poste. Oh, bah là, je finis au poste. Excusez-moi, j'ai rien fait. Je vous jure, c'est pas moi. Désolé, monsieur l'agent. C'est bon, je bouge pas. Hein. Il va pas tirer, hein. Désolé, monsieur l'agent. Je me rends, c'est bon. Ok. Ah non, je voulais partir au dernier moment. Fait chier. Moins 300$. Frérot, bah. J'ai plus de sous. Là, toutes les filles, on va laisser les charros. Hein. Faut qu'il y en ait une qui monte. Hein. Ouais, elle s'est free. Vas-y, regarde comment elle regarde. T'as vu la voiture? Yeah. T'as vu ma voiture? Eh, c'est la mienne, hein. Ça va, tranquille et tout? Frérot, je me prends que des râteaux. Elles sont deux. Elles sont deux, frérot. On va y aller, on va attaquer direct. On va se garer tranquille. Bah, ouais, il fait quoi, lui? Ou alors là, il y a bagarre, là. Frérot, descends. Descends de ta voiture. Ça fait cadrer. On se gare, pépère. Ah, ouais, mais là, du coup, si je descends de la voiture, en fait, elle me voit. Oh, hello, hello. Ça va? Moyen de moyenner, non? J'ai l'air de l'embêter un peu là. Hein. T'es pas monté dans ma voiture? Attends, je vais tester de prendre ma voiture à moi. Parce que si ça se trouve, c'est parce que j'ai pas ma voiture. Ça, y a moyen. Ok, du coup, ma voiture. On va tester avec ma voiture. Si ça marche pas avec la voiture, les gars, franchement, j'ai pas. J'en sais rien parce que je suis pas non plus un gros geek GTA, moi. Hein. J'y ai joué de temps en temps, quoi. Direction la plage, frérot. On a essayé la ville, c'est mort. Les bourgeois, c'est mort. Frérot, on va aller à la playa. Hein. C'est obligé, y a des nanas vers la plage. C'est obligé, frère. Objectif, ne pas se prendre une seule voiture dans la gueule. Eh, les gars, je suis un bon petit pilote quand même, hein, en vrai. Hein. Aïe! Et la plage, c'est de l'autre côté. Frérot, on va y aller à la nage. Hein. Eh les gars, je suis un bon petit pilote quand même, hein, en vrai. Hein. Faut que je fasse une descente amortie, en fait. Genre tranquille comme ça, hop. Et voilà. Et nickel. Tombé sur les fesses. Ok, il faut qu'on prenne une voiture de zinzin. Donc honnêtement, pense que celle-là, elle a de la gueule quand même. Mais faut pas que je casse la vitre. Faut qu'il l'ouvre en mode... Voilà, nickel. Nickel. Ok les gars, c'est parti. On part à la chasse. Ouah, bah oui, frérot, t'es mode toutes les filles qu'il y a. Salut les filles. Tu veux monter dans ma voiture, ma couze? Par contre, là, va falloir que je floute beaucoup, hein, si je veux garder ma monétisation, moi. Excusez-moi. Désolé, je casse les couilles à tout le monde. Excusez-moi, messieurs, dames. Mec, elle est incroyable, cette voiture, là. Frérot, y'a pas de fille ici ou quoi? De chemin pour la voiture, ça va être compliqué pour la faire monter dans ma voiture, quoi. Frérot, si elle dit oui et puis que. Elle veut pas marcher jusqu'à la voiture, je suis dans la merde, moi. Frérot, la plage, bah la plage, c'est là, hein. Frérot, je vais pécho sa meuf. Frérot, il faut s'imposer dans la vie. Hello. Elle a pas l'air contente. Ok, c'est bon, j'ai compris. Frérot, il faut s'imposer dans la vie. Frérot, il y a la nuit qui débarque. On va aller se bourrer la gueule, frérot, hein. T'as, mais là, c'est le pire endroit pour chercher. Si tu klaxonnes, tu te fais caillasse. Tu fais reconnaissance? Bon, les gars, mon premier date ne s'est pas passé comme prévu, hein. Frérot, pour le moment, le seul truc que j'ai eu, c'est nice car. Et il y en a 2-3 qui m'ont dit salut, comment ça va et tout. Mais ça s'est arrêté là, hein. Nice. Là, je commence à sentir quelques petites good vibes, là. C'est le madame. Regarde bien la voiture, hein. T'as vu, elle me refoule pas, hein. Elle me refoule pas, mais alors après, tu vois, c'est à cette étape-là, là. Là, c'est l'étape du après, quoi. Eh, madame. Et là, si j'y retourne, frérot, pour essayer de la draguer parce qu'elle m'a pas fermé les portes, eux, ils vont vouloir me péter la gueule, vous allez voir. Oh non. Je l'attends. Elle veut pas de problème. T'as vu? Parce que c'est son... Regarde, ils sortent les guns. Oh, frérot, range ton gun. On fait ça à la loyale. Range ton gun, on fait ça à la loyale, frérot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Oh! Ah ouais? Ah ouais, ça sert les guns direct. Direct, frérot, il a sorti son gun, ce chacal. Pas de problème, on reviendra dans l'épisode 3.
YouTube, on pense au plus long, on pense à l'abonnement. Ça fait extrêmement plaisir.